Comme chaque matin, les Congolais ne se privent pas pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui fait débat. Joseph Kabila restera au pouvoir si l'élection n'a pas lieu. Je crois que c'est dans la Constitution. Donc ça ne vient de personne d'autre, ni de l'opposition, ni de la majorité, mais c'est consensuel, c'est déjà dans la Constitution. Donc si on pouvait aussi respecter ça, ça ne pouvait que peut-être calmer la situation dans le pays. C'est le président du Sénat qui doit momentanément remplacer le président de la République. Alors, si la Cour constitutionnelle a décidé, c'est qu'elle s'est décidée. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment un avis favorable par rapport à ça. L'opposition assure que cette décision ne change rien à ses convictions. Elle veut l'alternance à la fin de l'année. Quoi qu'il arrive. Même s'il n'y a pas élection, mais s'il n'y a pas élection, c'est pourquoi il n'y a pas élection? C'est parce que M. Kabila a refusé d'organiser des élections. S'il ne part pas, nous, peuple congolais, leader de l'opposition, avec notre population, nous allons chasser M. Kabila. Je pèse mes mots. Du côté de la majorité, on estime que la Constitution a tout simplement été respectée afin d'éviter un vide au sommet de l'État. La Constitution dit, le président termine son mandat à telle date. Si il n'y a aucun président nouvellement élu à qui il doit remettre le pouvoir, eh bien, il devra attendre que l'élection désigne un nouveau président et que celui-ci prenne les rênes du pouvoir. Personne ne sait si l'élection aura bien lieu à la fin de l'année, mais en attendant, la tension politique monte de jour en jour à Kinshasa. Et c'est dans ce contexte que la France appelle les autorités congolaises à préparer, je cite, de bonne foi les élections et déplore la dégradation de l'environnement politique et sécuritaire dans ce pays. Fin de citation. Synthèse, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, notre client venait comparaître. Papa, marchez, nous sommes pressés. Ok. C'est des ralentis. Est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire sur ce qui s'est passé? C'est triste, il n'y a pas un état de droit de policiers qui jettent des pierres. S'il vous plaît, vous reculez, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'aller. Oui, il y a même pas reculé. Recule. Les policiers qui jettent des pierres, vous laissez mon grand frère dans le vice, vous vous rendez compte que nous avons un état de droit. Mais la vérité est têtue et Dieu reste juste bon. Merci.